Le 21 novembre dernier, doyen tribunal civil Port-au-Prince-là, Jean Laloi permet de faire ça, il prend une ordonnance pour te permettre que l'État haïtien reprenne possession de Varou 1 et Varou 2 pour lui déjà. Et ce qui a été fait, le 22, nous reprenons possession de Varou 1 et Varou 2 pour le compte de l'État haïtien. Et Jodia, ce génère, t'a invité dans le tribunal, côté que l'État a demandé à doyen, pour retourner sous décision et remettre en possession Varou 1 et Varou 2. Faut nous dire que hier, dans le même sens, l'avocat ce génère a eu rendez-vous devant doyen pour te joindre. Annulation mandat d'amener des paquets de monde dans ce génère aujourd'hui. Et dans les deux cas, que ce soit pour mandat, yo, que ce soit pour reprise possession Varou 1, Varou 2, eh bien, et la justice tranchée, parce que nous autres, avocats de l'État, nous faisons action en récusation en masse de tout juge dans le tribunal, là, sous deux affaires. Pas aucun juge dans le tribunal civil, dans le tribunal de première instance, qui attendait à faire ça. C'est la Cour de cassation qui pourra décider sur le cas. Donc, il y a deux conséquences dans le cas. C'est que les mandats d'amener debout, depuis la police, croisé avec Mounsa dans son génère qui a un mandat derrière, et bien la police doit mener à la justice. Moi, j'ai la police a appétit pour aller derrière Anel Bélizère. Moi, ça fait rapide, il a fait une conférence de presse et dans ces maquillages, il a le barrel, juge Jacques Mel. Est-ce que ce n'est pas même la police, ce n'est pas même madame Néa? D'ailleurs, madame Néa, ça a fait même le. C'est même la police, c'est même autorité qui dit à chercher Anel Bélizère, qui dit à chercher Mounsa Généreux, tout. Ça veut dire que, faut que mandat ça, et pas pour faire décoration dans le DCPJ, il faut la police à l'exécuter, quel que soit à côté ou capable de mourir, même j'avais un Bélizère, il faut qu'il soit capable d'arrêter. Il faut qu'on signale que la justice, ça a gagné là, je vous dis, c'est pas une justice qui a protégé un groupe de monde qui a l'argent, qui a une belle couleur, etc. Maintenant, deuxième conséquence, c'est que ordonnance gracieuse que juge la terrenne, il te permet que l'État haïtien reprenne possession de ce génère jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que, aujourd'hui, là, c'est l'État haïtien, à travers EDH, qui gagne contrôle et ce génère, disons, espace ce génère, qui a occupé, qui est Varou 1, Varou 2. Et le moment où on a parlé là, c'est recrutement qu'a fait, c'est interview qu'a fait avec des mondes qui étaient dans ce génère, qui voulaient toujours travailler pour EDH. Donc, son processus qui est presque fini pour que permettre que des gens qui voulaient continuer le travail, plus capables de arrêter le travail. Donc, ce n'est pas opération tout pour chasser les gens, pour mettre les gens dans le chômage. Et le message qui est clair aujourd'hui, dans cette affaire, l'État haïtien sont partis, même gens avec ce génère, chaque année, nous avons besoin de nous demander. Nous accordez-nous, si vous voulez, si la justice est capable. Et nous voyons que l'État qui tout le monde vient là, il dit que il n'est pas senti confortable, il est récusé des juges et que c'est cassation qui pour statut. Donc c'est très bien pour l'État de droit. Et maintenant, ça qui priorité pour nous aujourd'hui, focus là, nous mettons sur 123 millions de dollars que ce génère sous-facturé l'État. Et dans le moment où on a parlé là, on a pris c'est non seulement que là, l'autre confrère, c'est l'autre acte à préparer, c'est des offensives à nul autre pareil que nous mettre en branle pour permettre que l'État haïtien d'abord localise 123 millions de dollars ça, pour permettre que, au moment opportun, la justice permette nous prendre pour nous permettre que l'agence a retourné dans cet État pour aller servir contre les bébés. C'est ce qu'on a demandé avec les citoyens. Pour avoir été vigilant dans la bataille qu'il a fait contre la corruption, pour que l'agence a fait une bataille comme ça pour nous récupérer, pour ne pas passer dans la condition qu'on ait l'agent passé dans le pays. Que cette tâche n'a pas été facile relève d'un euphémisme. Sans ressources adéquates, sans les moyens qui vont de pair avec la mission, et surtout sous l'effet récurrent
de vents contraires et contradictoires. Nous nous sommes débrouillés pour remplir notre part de contrat, honorer les obligations liées à notre mandat, et ce, dans l'intérêt de la société. Notre éthique personnelle et administrative, les lois et conventions pertinentes, une haute idée de notre rôle et de la nature des responsabilités qui étaient les nôtres ont été les soubassements moraux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire notre travail. Un travail qui, comme vous le savez tous, n'a pas débouché sur les résultats judiciaires attendus. Mesdames et messieurs, pour être honnête, nous ne saurions dire que la lutte contre la corruption en Haïti, du moins dans son versant répressif, est déjà une réalité. Des dizaines de rapports d'enquête sur des actes avérés de corruption envoyés par l'ULCC aux autorités judiciaires de poursuite moisissent encore dans des tiroirs. Aucune mise en mouvement de l'action publique, aucun jugement, aucune condamnation, c'est un constat amer et décevant qui nous interpelle et pour lequel s'impose un devoir d'inventaire. Des écueils structurels entravent le décollage de la lutte contre la corruption. Mais n'ayez cure, continuez votre travail avec le même professionnalisme qui vous a toujours caractérisé. Je remercie le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Lacan, d'avoir placé leur confiance en ma personne pour occuper le poste de directeur général de l'ULCC à un moment particulièrement difficile de notre histoire. En effet, le pays va mal. Nos institutions arrivent difficilement à accomplir leur mission selon la loi. Les données disponibles montrent que la corruption constitue l'obstacle majeur au développement et à la croissance d'Haïti. Fort de ce constat, je m'engage à faire tout mon possible dans le cadre de la loi pour combattre ce fléau et permettre à notre pays de connaître un lendemain meilleur. Madame, Monsieur, force est de rappeler que, conformément à la loi réglementant la prévention et la répression de la corruption, nous sommes appelés à engager une lutte sans merci contre elle et que tout manquement à cette lourde responsabilité met en péril la légitimité des gouvernants, les valeurs démocratiques et affaiblit l'État. Ainsi donc, j'en appelle à la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale et à chaque citoyen et citoyenne afin que l'unité de lutte contre la corruption puisse apporter les réponses tant attendues par la population haïtienne en quête de justice et de bien-être. Voilà, ça c'est déclaration nouveau DG USCCA. USCC, c'est Unité Lutte Contre Corruption, qui c'est Claudie Garçon, et qui c'était ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui a dit qu'on a qui connaît la loi bien, on voit, et comme ça la loi dit. Le problème, c'est que l'air fin fait droit. Comme si l'air fait droit, on dit, qu'est-ce que c'est qu'on doit? Et il est arrivé non pas l'application. Oui, si malgré l'a fait. L'application, en réalité. Ça, c'est dérangé. Tant que commissaire gouvernement ici, a. Et commissaire gouvernement, oui. Jacques Lafontaine. Mais pas trop, je vais chercher une petite information de lui. Et on est même 2014, la MIC va être trop. Bon, on va comprendre. Donc c'est comme si c'est un monde qui est dans le camp, qui est dans l'équipe là, et on met il. Donc là, on fait le droit. Et ça, on va mettre le cognac là. Puis on va jamais étudier du tout. Puis on va dire comme si on va être sorti, on va aller à l'école du tout, on va faire l'autre bagaille. On va comprendre, mais là, on était au commissaire gouvernement, on fait le droit. Parce que l'offre doit pas passer, on pas qu'elle bagage. Faculté a qui doit pas acheter. Mais n'acheter le livre, n'en faire fille. Oui, pour me là, il y a un peu de vous comprenez? Les gars font fait droit, ils font paquet dans un droit, autant de vous pour entrer dans l'école bas ou autant de fois à l'école magistrature, ils font paquet dans, perdit ton, dépenser l'argent. Et puis le commissaire gouvernement, vous fait 4, 5, 6 mois. Après, vous mal fini. Oui, ou bien, ou bien de bas ou même qui connaît de net, vous dit au pape qui t'ont inscrit. Vous comprenez? Si vous faites fréquent, vous demandez fédération de bas ou bourade. Il met tout net côté. Il y a des commissaires là qui font tiens, c'est qu'on aucun côté. Non, bah, ou. Ah, ou t'es commissaire gouvernement, t'as pas l'impression. Il va bien servir. Il va faire travail. Oui, il va faire travail. Bon, on l'a oui, qui va aller un commissaire gouvernement ça. Et ça qui s'y a? Un série de nègres qui s'y nègres, monsieur. Qui t'es comme monsieur, qui t'es l'école ensemble. Comme si vous partenez, vous êtes monsieur ici, pas comme ça, il était comme doigt.
de vous avez dit avec les vacances à l'UT Kondoa. Et donc, cela fait la moindre décision de l'aller. La fond de l'autre bagaille, c'est le même. Nous toujours été dans le même dossier USCC à gagner un sénateur Patrice Dumont qui regrette son pouvoir corrompu qui tacou pouvoir Jovenel Moïse qui nommé Maître Claudie Gassan, ce commissaire gouvernement Port-au-Prince dans tête unité lutte contre corruption ULCC. Sénateur Ouesta qui reconnaît capacité et intégrité ancien chef paquet Port-au-Prince souhaité Maître Claudie Gassan continuer sa vie à loi comme boussole pour permettre la société à rallier en souffrance à faire corruption qui a gangrené l'État haïtien. En côté Patrice Dumont, dans le micro, Salomon Sedmé. Jusqu'à présent, dans la carrière, dans la vie publique, c'est un monde de qualité. C'est dommage que c'est un pouvoir déliquescence, que fois ça, qui nous mêle, pour espérer que l'affaire travaille pour lui rappeler qui sa loi a dit et qui sa pays a besoin. Moi, espérer que M. Gassan, ça me fait toujours croire que lié en social continuité et que donc nous capables compter sur lui pour lui faire partie de 3000 monde qui gagnent compétence et qui surtout continuent de gagner intégrité pour lui participer directement dans l'aide des Haïtiens réussir métamorphose l'IA pour nous sortir de yon société, de yon pays, de yon l'État qui n'a corruption systématique qui fait pays un petit groupe capable de vivre de courser royauté et tout reste pays n'a la boue, tout reste pays n'a misère qui fait que pour Haïtiens qui remet Haïti, nous-mêmes, peut-être pas nous, nous sommes honte. Moi, moi, espérer que Claudie Gassan a fait gros différence entre lui-même et pouvoir même qui mettait là, parce que pouvoir vraiment son bail qui dédiquait ça, pouvoir lui prendre forme de corruption que pays a gagné depuis fort longtemps. Et vous connaissez diable qui j'ai fonctionné. Diable toujours râlé Zangio. Il est toujours voulu pour tout le monde ouais, la parler avec Zange, que ses amis Zange, que ses amis monde qui n'a bon Dieu, qui n'a le droit, qui n'a la gaille sérieux. Il veut juste montrer ça. Et puis pour être capable justement de diminuer le pouvoir des vrais patriotes. Eh bien, gagner, ce n'est pas M. Gassan seulement, gagner un paquet d'autres haïtiens qui vous trouvez dans une situation où il y a une contradiction avec tête. Mais attention, au-dessus. Voilà, sénateur Louis Patrice Dumont Pépé.